Cette vidéo est sponsorisée par CopyTrans Contact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouches Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Accentify pour votre iDevice Jailbreakers le Firmware 6.0 Plus. Accentify, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Studio Store au prix de 99 sous et ce qu'elle vous permet de faire, c'est de changer, comme vous pouvez le voir ici, tous les thèmes, dans le fond, système de votre iDevice sous les couleurs que vous voyez ici. Alors, il y a déjà des couleurs préfaites, vous pouvez les choisir, sinon vous pouvez la créer vous-même. Alors, ça va les changer dans toutes les applications, Safari, les réglages, les messages, etc. Même dans des applications de l'App Store, donc ça modifie vraiment l'ensemble des fichiers système en termes de couleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'acheter, installer, confirmer. Une fois que c'est installé, il n'y aura pas d'icône sur Spring Boot de votre appareil, mais il y aura une section dans les réglages. Alors, comme vous pouvez le voir, mes réglages en ce moment, c'est en rouge en haut. Puis, même chose, lorsque j'active les boutons, sont en rouge. Et même chose, lorsque on a des petites flèches, par exemple, je vais aller dans les luminosités, on voit que ma petite flèche est rouge ici, mais la petite ligne. Donc, si on s'en va dans l'application Accentify ici, dans les réglages, vous avez les Global Accent. Alors, en allant là-dedans, en choisissant un thème, eh bien, vous changez l'allure de votre iDevice. Alors, maintenant, c'est rendu orange et vous avez tout, le butter, le graphite, en chocolat, en caméléon. Alors, on les a toutes ici. Sinon, vous pouvez choisir Custom ici et par la suite, choisir, si vous voulez, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu et plus de vert. Un petit peu moins de bleu, mais plus de rouge pour que ça donne du jaune. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec ça pour savoir quel est votre thème préféré. Alors, ça, c'est le mode custom. On va rester de même. Dans More Settings, vous avez juste plus de settings, comme par exemple, plus forcer le teintage. Mais lorsque vous activez cette option-là, vous devez redémarrer votre iDevice. Par la suite, ici, vous pouvez changer le texte. Vous pouvez faire des Randomized Colors. Ça veut dire que ça va prendre des couleurs aléatoires. Puis ça va l'appliquer. Alors, si vous ne voulez pas choisir parmi les choix ou faire un custom, vous faites aléatoire, puis ça va tomber sur une couleur random, comme on dit en anglais. Sinon, Activation, et bien sûr, vous avez les Activators. Alors, si vous voulez appuyer double sur la barre de statut, eh bien, automatiquement, ça va changer de couleur. Alors, ça, si vous voulez les changer par un mouvement Activator, c'est votre choix. Sinon, vous avez la possibilité de faire toutes individuellement les applications. Alors, admettons, vous voulez spécialement dans l'application App Store mettre, on va dire, je sais pas moi, le graphite. Eh bien, dans l'application App Store, ça va être en graphite. Puis, vous pouvez choisir tout l'ensemble des applications ainsi que ceux de l'App Store. Alors, si dans l'application ici, par exemple, je veux un autre choix, j'ai la possibilité. Donc, une fois que tout ça c'est fait, ben c'est pas mal tout pour Accentify. On va aller voir dans les autres applications qu'est-ce que ça donne. Admettons, je m'en vais dans Safari. On voit que c'est bleu partout. Si, par exemple, je m'en vais dans les messages, c'est rendu bleu. Alors, on voit comment l'application fonctionne. Sinon, c'est tout pour l'application. Alors, pour l'application Accentify, je donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que personnellement, c'est une très bonne application qui ne dépend même pas de Winterboard. Donc, on n'a plus besoin d'un thème pour changer l'ensemble de notre appareil. Directement avec cette application-là, on peut changer toutes les couleurs qu'on veut dans chaque application selon le système de base. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles. Vous, cher public, combien d'étoiles vous allez mettre à cette application-là? Juste dans les commentaires, ci-dessous sur YouTube seulement, mettez votre note en étoiles. Sinon, c'est tout pour l'application pour votre iDevice, Jailbreakers le Firmware 6.0+. Alors, j'espère que vous avez aimé l'application Accentify. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et ainsi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci beaucoup, au revoir.